m'entendez bien? Je suis en plein soleil. Oui, on t'entend. Allez, on est à Briolet, dans le 49. Allez, on commence cet après-midi avec une découverte de Julien. Il a l'air d'être fermé en plus. Ben, on dirait bien. Donc Damien est déjà en train de sécuriser l'objet. On dirait un petit coffre. Allez, tiens-nous doucement là. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon, lâche-toi. Allez, le petit coffre. Vassili, il va falloir que tu te mettes derrière moi. Hier, on était à Malicorne sur ça. Allez, ça monte. De sortir. Pas un coffre, une boîte. Oh, c'est un truc électrique ça. Il y a un coffre électrique, ouais, je ne sais pas trop, on va voir. Allez. Attention, il y a ses ventous. Ouais, c'est bon, on est là. Ouais. C'est pour lui allez, montrer. Nouvelle trouvaille. Silio, Silio, tu vas être devant moi. Lily, la deuxième de droite. Bon, bah, c'est productif aujourd'hui. Oh, c'est trop mal. Hein l'association en fait. Elle a dit tirer fort fort. Il faut des bras. Go, ah ça monte. Ah non, ça va. Attends, relâche, t'as le t'as ta bouée Seb. Remonte là, qu'elle a accroché tes fils de pêche. Allez, accroché. Ouais. C'est ta prise, hein. Voilà, apparemment. Oh, c'est un landau. Ah bah attends, il y a un landau. On va se remettre un peu. Tu veux des cordes de sécurité, Seb? Il tient sa boîte de bière. Allez, on tourne. Ouais. Ah, il a mis autre chose. Oh, les leurs, tu vois. Attends, on va poser. On va poser. Il y a un peu de parasol. Hop là. Ah, il y a un poids qui vient d'être sorti par Damien. Ah merde, il est redéfait, ouais. Ouh, les mains là. Oh. Ah, il est pas assez puissant. Ça. Oh putain, il va retourner à l'eau. La corde de rappel. Pour la tondeuse. Bon fille, on force un peu ou... Attends, je vais me mettre à côté de lui. Attends, je vais me mettre à côté de lui. Là ? Ah c'est lourd, je sais pas si c'est dans le sol mais... Mais c'est quoi, c'est un tracteur tondeuse ou c'est une tondeuse ? C'est qu'une tondeuse ou c'est un tracteur ? C'est une tondeuse. On la bouge pas. Elle est embourbée. Ah le con, il a loupé la rivière. Eh regarde s'il n'y a pas le paysan au bourg. Alors trésor ou trésor. T'as une corde de rappel ça. Par contre, il n'y a pas mon aimant. Mais si, il est dans le sac là-bas, là-bas, au blanc. Putain, t'es con Loupi. Y a un deuxième Loupi là. On a une collection. Ah, il y a un fils Loupi là. Il y a bébé Loupi. Bah, dans le sac. Vas-y, il y a qu'un Loupi, c'est moi. Bah, je crois que t'as fait des petits. Voilà, hein. Sébastien vient de nous faire un sac. Fais des petits partout. Un sac comme je les aime pas, vous le savez. Premier trésor. Oh putain, c'est des bijoux ça. Ouais. Bijoux, ouais, c'est des bijoux ça, c'est des boîtes à bijoux. Ah tiens, une bague. Oh, une bague. Eh, c'est rempli de trésors, oula, il y a des papiers. Oulou. Ah. Ouais, bah viens te mettre à l'écart. Ouais. Détache-moi ça, on va se mettre à l'écart parce que là on est sur la route. C'est le moment de partager le live et de liker. Vous avez vu, il y a déjà un premier bijou. On va faire le point. Hop. Ouais, bah, mets-toi un peu à l'écart, Séverine, viens.
C'est juste qu'on soit pas sur la route. Allez, on va vous faire les... Il y a un portefeuille avec des cartes, on identifiera après, hors caméra. On va pas divulguer. Boîte à bijoux, celle-ci elle est vide. Ça c'est vide aussi. Je pense que la bague elle devait être trop grande. Oh là, il y a du monde là. Là on a entendu. Là il y a du monnier. Oh, là, il y a des diamants. Non, non, mais. Là il y a des perles, il y a une monnaie. Bon là il n'y a rien de spécial. Donc ça c'est certainement le fruit d'un cambriolage. Un deuxième porte-monnaie qui a dû être bien vidé je suppose. On va pas nous laisser une pièce dedans, vous inquiétez pas. Ah peut-être. Non. C'est raté. Encore une boîte de vide. Il est rempli. Ça arrive hein. C'est une mini trousse. Allez là c'est le moment. Quand Séverine est à côté de moi ça bug. Merci Karine, elle va être contente d'entendre ça. Ah là c'est pas de ma faute là. Tout à l'heure j'étais connecté sur toi mais là non. Allez un sac avec des boîtes à bijoux, des drôles de choses là, il y a des emballages un peu. Il y a du poids là-dedans. Pardon. La farine. La cocaïne. Une fois on a trouvé des dents. Des quoi des dents? Ah, des dents. Vieille monnaie. Je te promets. Ah, alors là ça peut être intéressant là. Je te promets que c'est vrai. Et là faut liker les enfants là parce que là il va avoir. Oh! Attends, Christopher, bouge pas. Je vais faire un zoom sur ta main. Il y a des pièces de monnaie. Ah oui, j'ai des. Il y a un peu de tout, on va y aller. Allez, il y a des vieilles pièces de monnaie, on va essayer de voir ce qu'il en est. Il y a des trucs, c'est pas de la France là. Il y a des pièces étrangères. Elle est épaisse, là. 100 francs. Ah, ça c'est les pièces d'anciens francs. Attends, on va les mettre au soleil, les faire sécher, on va voir ce que ça donne. Putain, il y a une munition en dessous en photo. Là, il y en a deux. Hop. Ah maman, il y a des vieux francs. Ça s'appelle. Il y a encore des, il y a encore des pièces qui tombent. C'est des anciens francs, pas des vieux francs. Là, on est en train de faire l'inventaire. Et c'est... Et là, je peux vous dire que le petit trésor, il est sympathique aujourd'hui. Il faut que j'arrive à les mettre au soleil parce qu'on voit pas bien. On s'y attendait un peu avec la présence de Sébastien. Forcément, quand le plongeur est là, lui, il voit tout ce qu'on peut pas voir. Ouais, c'est ça, ouais. Encore un troisième portefeuille. Eh, Jolio, c'est pas vieux. Non. On essaiera d'identifier après. Il y a des cartes bleues en plus, donc on va voir. Oui, parce que Zodio, c'est pas... Ça bug, il paraît. Ça, c'est une médaille, ça, non? Ouais, ils sont bons. JP! Oh putain. Allô? T'as entendu? Ah, deux secondes les gars. Bah deux trois morceaux de voiture ils vont pas attendre. Ouais, des morceaux de voiture en attends, annonce. Attends. Je te dis quand ça sort, je vois pas là. J'ai un porte-monnaie plein de caisses. Vas-y, mais faut qu'on les aligne au soleil. Ils ont fait plus à la maison. Parce que si tu les alignes devant toi là, t'es à l'ombre, on voit pas. Va falloir remonter. Là, il y en a encore une au cul. Ouais. Là il y a un vrai trésor. Là, alors là il y en a. Bon, faut te tenir presque, ça tire fort là. Vous avez vu, on arrive tout de suite, vous remontez. Ah, impeccable. Et là, je peux vous dire que c'est le moment de partager le live, parce que c'est pas souvent qu'on trouve ce genre de choses. Ah, c'est bon, ça sort, pardon. Hop. Je suis là. Je suis déjà parti avant même que tu m'appelles. Ah, le live. Allez, le live, là, c'est le moment de live et partager. Et là c'est une tondeuse qu'on sort de l'eau. Je pense que celle-là vous l'avez vu. Et puis c'est une grosse tondeuse hein. On est pas derrière. Ah bah oui. Plutôt frère.
Il y a encore la bouée qui est coincée. Les deux. Laisse-les monter la bouée, Seb. Les trois corps là sont dessus. Allez les gars, là ils sont en train de tirer. Attendez la bouée. Attends, récupère la bouée avant. Ouais, faut baisser un peu. Faut donner du mou pour qu'il récupère. Mais t'es sûr qu'il la récupère là? Allez, on la tire, allez. On la tire ou pas? On la tire. Ah, voilà. Hein, c'est bon, je crois qu'il a détaché, vous pouvez sortir. C'est bon? C'est bon. On y va? C'est bon? Ouais, c'est bon. 1, 2, 3. Ouais, attends, c'est 2, 3. Ouais, si j'ai fait. J'ai vu, 1, 2, 3. Tirez. 1, 2, 3. Bloque la circulation. Hop les gars, alignez-vous dans la queue le long. Ah ouais, cool. Impeccable. Derrière. Attends, tu la bloques. Tu la bloques. Il a bloqué, on peut pas la lâcher. C'est bon, qui monte sur la corde là? J'ai un loupi. Prenez de la longueur sur la corde. Il y a quelqu'un qui a les pieds sur les cordes. Il y a le grappin qui est tombé. Ah, il est défait, mais faut y aller là. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prends la corde. Allez, vous y êtes bientôt là. Faut tirer. 1, 2, 3. Attends. Si quelqu'un peut récupérer le grappin avant qu'il tombe. C'est bon? Allez, c'est ce que je veux faire. Allez, attends, stop. J'ai fini dessus. Elle lève un peu. Vous levez? Ouais. Stop. C'est bon, merci. Il faut qu'on dire un peu encore. C'est bon? C'est bon, j'ai un bouleur. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Allez. Encore. Attends. Le panneau est retombé. Allez. Là, c'est pas, faut les rattraper par devant maintenant. Nous, on tend. Il y a une voiture pour là-bas. Nous, on tend. Faut quelqu'un. Il y a eu. Attends, celle-là. Celle-là, il faut l'attendre, celle-là. Moi, je tiens la plume, moi. C'est bon, allez, ça sort. Allez, hop. Posez les pieds. Regarde le bouclier que j'ai. Il est là. Vas-y, ma casquette là. Vas-y, balance. Allez, posez là. Attention à vous, attention aux jambes, les gars. Allez, c'est bon, ça va. C'est bon. On peut le lâcher. C'est bon. Ouais, déjà. Voilà, les gars. Moi, ici, attention tes jambes, Christophe. Vas-y, on s'est connecté, on va vous la montrer. Est-ce que je peux se glisser? Eh, j'en cherche une pour la vie. Pour dans le salon. Bah, excusez-moi, hop, monte la tondeuse. Ah oui, il est poussé, vite. Tu peux aller récupérer. Il avait peur. Bon, avec le tien, tu peux y aller. C'est un cercle de tonneaux. Ouais, tu me tournes devant. Bon, bah super. C'est interdit en voiture. Mais bon, est-ce que tu as ça comme panneau? Ça doit être un panneau de navigation, ça. Ouais. Vu la forme. Attends, j'ai vu une voiture sur le panneau. Là, il y a de l'argent dans les caisses. T'as raté devant aussi. Ah, les gros billes. Ah. Il y a encore de la monnaie. Ah. C'est le début de la richesse. Là. Ah, le pot, il va être plein. D'habitude, on les trouve vides. Là, il y a au moins 1 euro, je suis sûr. Tu vas pouvoir te repayer des crocs. Personnalisé par Karine. Oui, elle a la vie. Mais Maïlys, elle est adorable, elle est très engagée. Elle est tout le temps là. Il y a encore des morceaux? Bah, ils l'ont découpé un petit morceau ou quoi? Bah là, oui, tu vois. Là, ça tient par un fil. Gars, là. Mais ça, je vous laisse. Parce que là, là où tu as pile au rabord, normalement, il y a une pièce qui est tombée du caisse, de l'autre caisse. Hein? Et voilà. Eh bah, tirez pas. Après, la vache. Parce que là aussi de ce côté, là vous avez vu la sortie. Faut juste qu'on nettoie un peu. Bon bah là il y a quelques monnaies quand même. Hein.
Bah lance-le. Tu le lances puis tu le remontes. Ah, c'est bon, j'ai un peu de ouais. Allez, mon. Y'a pas d'eau en dessous, toi. T'es dans la manche. Chippé. Un cintre. On va essayer, il a doublé, il est content, il a pêché un cintre. Eh ben, je vais accrocher mon maillot dessus. Une demi-heure ensemble. Un quart d'heure, après. Laisse un gros, gros tube. Qu'on se fasse pareil. Vous allez avoir un gros truc là-bas, là. Il a accroché toutes les cordes sur quelque chose. Ah. Grande barre. Allez, à toi. Une deuxième tondeuse. Apparemment des pièces de voiture, mais... Attends. Attention, Nico, tu vas être sur la vidéo. C'est bon. Marche, fais gaffe. Ah, mes jambes. Ah, t'es jambes. Ouais. Fred, accident de travail. Non. Faut le ballon. C'est quoi Seb comme pièce? C'est le truc qui tient les roues, ça? Ouais. Ouais, on est bien d'accord. Ah, mais pour les pédés, les gros. J'avais un petit doute, mais là. Il n'y a qu'un essieu, parce que tu vois la largeur. Bonjour. Bonjour. De la pêche à l'aimant. L'association pêche aveuglément. Ah bah c'est pas de la pêche aux poissons hein. C'est un guidon hein. Oh oui. On avait des rayons. Moi j'ai eu un rayon, il a le guidon. On va finir par avoir le vélo. C'est un vélo hein, il y a des trucs de poing là. Ah bah ça a l'air lourd en tout cas. Ah, j'ai un truc, c'est gros là. Ouais, ça a l'air gros là, parce que la corde elle est tendue. Je sais pas ce que c'est, on voit. Putain, on voit pas. Si, c'est une grosse... Ah, c'est peut-être une barrière de... T'arrives à voir. Une barrière chantier. Je suis trop petit, tu vois rien. Je vois pas du tout, moi. Ouais, je vais te ramener gentiment. Putain. Je te vois. Avec le courant, ça part. Ouais, mais... Attends, ça vas-y, ça revient doucement. Ah, c'est une barrière, non? Mais on est trop petits, nous. Même en montant, on voit pas. C'est un vélo, non? C'est un vélo. Ah, je commence à voir. Attends, j'arrive vers toi. Ouais, faut jouer avec le courant. Moi, je vois pas ta corde quand même. Ah oui, d'accord, c'est bien. Ouais, c'est un vélo. Bouge pas. Ah non, bouge pas, mais attends. Il y a une touche en arrière. Voilà, balance et remets comme c'est en. Voilà. Ah. Tu remontes et tu vas tomber dessus. C'est voilà. Ça a l'air d'être grand. Un vélo, apparemment. Apparemment, c'est moi, je vois rien. Apparemment. C'est bon? C'est bon, on devrait voir. C'est bon, on voit. Ah oui. Ah non, on va assurer avec un grappin. Enfin, un grappin. On va assurer avec un grappin. On va aller chercher, s'il y a. Vas-y, moi, je tiens. Juste les deux. Oh, c'est bon. Sinon, s'il tombe, on est mal. S'il va sur le pont, on est mal. Ouais. On remonte tous gentiment. Il est où le live de là? Il n'y a plus de live, JP a plus de batterie. C'est un cadre de. Scooter. Scooter, ouais. Hey, je suis aimanté sur ton aimant en fait. Je suis même pas accroché moi. Tu as peut-être bien mal prendre le machin. Non. Vas-y, je vais essayer de. Attends. Vas-y, lève un peu. Il y avait le guidon avant le cadre. Oh mes doigts. Attention. Sois toi. Bonjour. Attention derrière. Attention derrière, c'est bon. Ça va et toi? Ça va. La sœur, c'est laquelle? Tu mets qui? Tu balades? Oui. Petit frise brosse à dents. Il est trop ouvert ton grappin là. Attention à vous, je vais lancer. Hop, attention. Prends la rame marée quand t'arrives en bois.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient? Là, c'est une dent de décompacteur ou de cultivateur, ça. Bon, bah là, ça commence à être technique pour moi. Un doigt de godette pelleteuse. C'est vrai. Je suis là. T'excites pas le cerveau, là. Et toi, je t'ai bien vu. Ah, tu vois, il y avait quelque chose là. Allez, c'est bon. Ouais. Ah bah ouais, je l'ai, mais pas, j'ai pas fait exprès. Quoi, putain, je sais pas comment les prendre. Les gars, faut du monde derrière, Fred. Attends, je tiens, je t'assure. Envoyez un grappin. Il est là. Et il en veut un autre. Il est là, le grappin. Voilà. C'est juste qu'il faut du monde derrière. Ah oui, il est là. Détache-moi, Fred, mets-toi derrière. Attends. Non, c'est bon, Fred. Ça va basculer. Ah, j'ai pu le dévaser tout à l'heure. Au pire, essaye de faire de la passion. Il y a Babayan qui est en bas. C'est bon. On tire. Ouais. C'est bon, on tire, Fred. Ça y est, sorti, je vous l'avais dit. C'est bon. Allez, Fred. Allez. Attention, la route. Tendez la corde rouge derrière moi. Ok, j'attends, elle est là. Deux grappins qui sont pris. Tendu. Si ça lâche. Tu me dis j'ai pris à gauche. Personne dans la proximité. Parce que là, c'est deux grappins, les gars. Faut écarter le bleu. T'en fais du don, les gars. Il est passé. Un peu, allez-y. Attendez. Donnez-moi du mousse sur la rouge. Payez la rouge. Si tu parles en verlan, Fred, on est mal. C'est bon, t'inquiète. Le rouge sur la mousse. C'est comme tu veux, hein, mais. Il est tellement bien pris, le rouge, il lâche. Allez, vas-y. Attends, faut faire quoi derrière? Vas-y, il faut lever. Attends, relâchez sur la bleue. Relâchez sur la bleue. Attendez, consommez le poids. Non. Ah, partout. Il y a une tronçonneuse qui sort. Et bah, moi je suis déjà prête. Hein. Je suis au taquet, moi. Et moi je suis encore bloqué sur quelque chose. Là j'ai quelque chose. Sur la deuxième. Au même endroit. Non. Ah. Et là c'est le drame. C'est quoi, c'est un petit vélo? Un petit grappin. C'est pas bataille. Partout. Super. On a pêché un grappin. Ah bah c'est bon ça, j'ai l'air partout en vélo. Un petit trou par contre. On a pêché un grappin. Je suis partout moi. Mon papa il est au taquet. Allez, un essieu! Un essieu! Ah bah décidément, c'est la collection des essieux. 1, 2, 3! Ah! Décolle ton aimant, c'est bien. Tire un grand coup. Voilà, et essaie de coller en dessous. Oh, quelle maîtrise! Il y a de la maîtrise, là, il y a de la maîtrise. 1, 2, 3! On arrive à se mettre du pont! 1, 2, 3! Grappin là pour sécuriser, non? Il est où le grappin qui était tout à l'heure? Il y a un grappin qui est derrière toi! Faut que je reste à droite, les gars! Tu es à droite? Ouais! 1, 2, 3! Stop! Dans la
Ouais, celui-là, il y a le pont, on va retourner les cartes un peu. 1, 2, 3. Attendez. Ouais, 1, 2, 3. Attention. Attendez, lâchez, donnez du mou là. Donnez du mou à gauche. C'est bon. Allez, on lève un peu. 1, 2, 3. Attendez, attendez, ça lâche là. Donnez du mou. Allez, Po, si tu veux, tu peux tirer la corde à Julien. Bah, il y a des voitures. Attends, Julien, allez, bon. Allez, les gars. Non, mais attends, faut t'entraîner. Hein? Faut remettre des voitures. J'ai. Allez, à gauche, hein. À gauche, t'as du mou encore. On lève à droite, les gars, ça va passer. Lève à droite, 2, 3. Ah, le tien, il va lâcher. Viens et moi, vous êtes vraiment collés là, tous. On a pas un grappin, non? Ah, bah, si, il y en a une là. Attends. Non, il faut des aimants là. Oh, des aimants. C'est laquelle? La corde bleue? Oui, la corde bleue. Ouais. Yo, sinon t'es devant moi, hein. Ouais, moi. On va voir ta tête. Attention, ça va lâcher. On arrête de tirer sur la corde rouge. Attends, et je le tiens. Attention les pieds. Bon bah moi j'ai retourné à l'eau. Une tronçonneuse a trouvé, ce qui paraît. Oui, je l'ai vu. Je l'ai filmé et elle est retombée dans l'eau. Ouais, elle est retombée par là. Ouais. Où Dani l'avait fait l'autre jour. Ok. Mais là, il y a une preuve, je l'ai vu de mes yeux vus. Je l'ai même filmé, la tronçonneuse. Bon. Ouais, mais toi, décroche la sangle noire. T'as fait chier. Vous vouliez du monde, on vous a ramené du monde là. Attends, je vais passer en dessous. Parce que je crois que je vais vous emmerder plutôt qu'autre chose. Tu peux pas, je suis pas en dessous. Ouais. Laissez la corde. Laissez la corde. Attends, c'est bon. Non, mais d'appuyer, c'est bon. Non, mais c'était pour qui? Il s'est accroché, mais il a l'air d'avoir. Oh! Il faut nous! Ah bah! Il faut le faire une fois! Pour une fois, je tire pas! Allez, Loupi, accélère! Allez, Loupi! Je descends en l'air, j'ai la. Non, c'est vrai, il gagne! Bah ouais, puis là, il est de l'autre côté! Il est petit, Non, il y a une corde qui est prise devant! Ah! Oui, c'est lui! Damien, il y a une tronçonneuse par là, si tu veux! Deuxième poteau entre les deux d'à côté, là, juste à côté! Ouais, juste derrière le poteau, là! Elle est sortie, je l'ai filmée et tout, elle est retombée. La même que Dani l'avait sortie l'autre jour. Si t'as rien à faire. Bon, on va utiliser les bonnes méthodes. Les gars, vous commencez. Ah oui, c'est des gros quand même. Attends. Les gars, on va leur donner les bonnes méthodes. Ouf! Fais gaffe, c'est Noël! Ouais, c'est possible. Christophe, tu prends la boucle, ouais. Tu tirais par les boucles. Merci. Faut pas vous niquer les mains. Attends, on revoit mon aimant. Il est pressé long, on va s'en passer chez vous. Vas-y, faites-le voler au contraire. Vous voulez un aimant supplémentaire? Oh, c'est des nœuds, là. Ça bascule, non, en SSS, ça va falloir que ça bascule. Un grappin. Attends, j'enlève des choses là que je vois parce que sinon on fait vivre un peu de temps. Eh, tu m'as fait venir pour ça là, c'est tout petit ça. Ta
Quentin est tout seul derrière. Oh, t'inquiète pas, moi, j'ai pas besoin de renfort. C'est vrai, attends, ben là. Bon, on va la baigner après. Je pense que j'arrive à la reprendre là. Bon, il y a peut-être des raisons de forcer un peu là. On va la basculer, il y a de la vache devant. Ah, ça fait du poids pour la ferraille. Alors ? Il reste d'autres morceaux encore dedans. Il y a du dessus, pour mon avis. Oui, il y a les roues et tout ça. On va prendre le goût pour découper. Donc, quand tu ne restes plus qu'une main, Philippe. Ça, il y a encore du produit à vie. C'est l'arrière, c'est la place. Monte dedans. Ça passe. Faut aller dedans, hein. Largement, ça passe. Comme papa mort. Voilà, là c'est sûr. La tondeuse derrière. Non, bah il faut en prendre un peu. Oui, bah là, oui, il y aura pas le choix. Parce que là-haut, on a le train avant.